Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma petite boîte hier. Regardez, c'est mignon. J'adore ça. Alors, vous voyez, les cartes, elles sont les enveloppes, elles sont bien droites à l'intérieur. Alors ici, avec un aimant, comme ceci, ici. Et puis, on a 6 enveloppes pour mettre des choses à l'intérieur. 6 catégories. Tout simplement. C'est joli, hein? J'ai mis quelques petites perles, question de décorer. C'est grosse, là, ici. Et voilà. Alors, ça, c'est terminé. Maintenant, alors là, je travaille sur la petite boîte. J'avais dit qu'on ferait la petite boîte. Alors, ici, j'ai calculé. Alors, je vais prendre mon cahier de journal. Alors, ça va être ce format-là. Là, il ne faut pas oublier que là, quand on coupe les morceaux pour la boîte en tant que telle, il faut que ce soit plus petit parce que le couvercle doit être plus grand pour emboîter par-dessus. Alors, il faut prévoir plus petit. Alors, comme vous voyez ici, j'ai prévu environ, je dirais, 6 mm de moins hauteur ici. Même chose pour la largeur. Alors, mon couvercle sera le 6 mm en question qui manque. Alors, j'ai calculé ce format. Je vais vous donner les mesures. Alors, la mesure est de 10,5 cm par 17,6 cm. En pouces, ça donne 4 pouces, un tout petit peu moins qu'un quart. Alors, 3 16e, OK, par 7 pouces tout juste. Alors, j'ai fait ce carré, puis j'en ai profité pour continuer deux bandes. Alors, moi, j'ai calculé dans ma boîte l'espace qui me restait. Alors, finalement, je crois que la boîte, je vais la mettre sous ça. Et puis, le petit cahier, les deux cartes vont être avec le cahier, avec le... la filière, quelque chose comme ça. Je pense que ça va être interchangeable de toute façon. J'ai calculé par rapport à mon album. Alors, si j'ai 4 cm de haut, c'est parfait. Alors, 4 cm, c'est ce que j'ai fait ici. Deux bandes de 4 cm. Et puis, ça me donne 1 pouce et 5/8. Alors, ici, je crois que j'ai peut-être un petit peu plus que 4 cm. 4,1. 4,1. OK. 4,1, c'est correct. Alors, j'ai coupé tout ça. Il me reste à les retirer. Je vais les laisser comme ça pour que vous voyez que j'ai les coupés en même temps. Alors, pour qu'on... ce sont les seuls morceaux qui vont mesurer cette largeur. Alors, on en profite pour les couper tout ensemble. Et ensuite, là, je vais avoir besoin de deux petits morceaux de... Je vais les prendre ici. Alors, 4 cm toujours. Même hauteur que vos pièces ici. Alors, vérifiez si c'est la même hauteur. Mais de cette largeur-ci. Alors, je vais aller faire une marque ici. Puis, 4 cm ici. Puis, je vais probablement en avoir une autre à côté, ici. Puis ça, ça sera mon morceau. Il va manquer quelques... Il va manquer des morceaux. J'ai une feuille ici qui était déjà coupée. J'en avais déjà enlevé un morceau pour un autre projet. Je ne me souviens pas quoi. Mais ce n'est pas ma feuille complète de 30-30. Si vous avez une feuille complète 30-30, peut-être vous allez arriver à tout faire en même temps. Alors, j'ai des morceaux ici pour ce qui me manquera. Alors, ici, j'ai mon 4 cm. Je vais faire la même chose les deux fois ici, jusqu'ici. Alors, je vais continuer un peu mon morceau ici. Tout juste comme ceci. Voilà. Et puis, je vais couper mon 4 cm par la largeur de ma boîte. Fond de la boîte, ça. OK? Alors, je vais aller avec ça jusqu'ici. Puis, je vais couper les morceaux. Alors, j'en ai un ici. Puis, j'en ai un ici. Alors, moi, les lames que je prends, hein, vous voyez, c'est les mêmes lames que quand je coupe le papier, mais ce sont des lames qui coupent plus bien le papier. Alors, je les utilise pour la cartonnette. Voilà. Ici, c'est pas facile. Je vais commencer par celle-ci, tiens, je vais la couper. Juste pour la deuxième partie. La deuxième partie de l'épaisseur de la cartonnette, comme ceci. Et comme ceci. Alors, j'ai ça, ça. Alors là, pour tout de suite, j'ai la boîte comme ceci. Et comme ceci, et comme ceci. Il faut vérifier que vos morceaux soient tous bien... La bonne largeur, la bonne profondeur, tous égaux.
S'il y a du papier ici qu'il faut couper, on va le couper. Voilà. Et puis là, là ça m'aurait pris du papier. J'en ai ici. Des bandes de papier. Cette largeur ici. Alors, je vais me rendre jusqu'au bord, comme ceci. Alors, je vais m'en couper tout ça. Là, je vais changer ma lame. Donc, je vais faire ma ligne comme ceci pour tout de suite. J'ai deux bandes à faire. Même plus que deux. Alors, je vais aller près d'un pouce, alors environ 2 cm. Comme ceci. J'en ai plusieurs à faire. Je vais avoir besoin d'une autre feuille de papier comme ça. Je vais couper ce petit bout-là, puis je vais avoir mes deux morceaux. Comme ceci. Alors là, j'ai quatre morceaux comme ceci et deux comme ça. Ça va prendre plus, mais là, pour tout de suite, c'est ce que je vais faire. Regardez, j'ai un autre morceau ici. Je vais m'en faire d'autres. Comme ceci. J'en ai besoin de quatre. Même plus que ça, parce qu'on fait tout le contour de la boîte. Je devrais faire un petit bout pour vous pour vous guider un peu sur ce qu'il faut faire. Alors, on commence par la boîte seulement. On fera le couvercle de l'autre vidéo. C'est la même chose, c'est juste qu'il est plus grand. Alors, on va calculer. On fait la boîte au complet, puis on va calculer ce qu'on doit faire de plus large sur les côtés. Alors, j'ai des bandes ici. Je vais faire toutes mes lignes de pliure. Excusez. J'aurais pu les préparer en avance, mais bon, j'ai pas pensé. Alors, de toute façon, ça vous montre comment faire. Alors, je fais une ligne de pliure approximativement au centre. Tous ces morceaux-là, au complet. J'en ai qui sont trop larges, c'est correct. Ça va cacher. Ça va être caché autour. Celle-ci pour commencer. Alors souvent quand j'ai fait une boîte, j'ai assemblé mes morceaux avec avec du ruban masqué, mais la dernière fois je l'ai fait sans ruban masqué, je trouvais que ça allait bien. Alors je vais tenter de faire la même chose. Alors je plie tous mes morceaux que dont j'ai fait des lignes de pliure. Ici. Quelques-uns pour travailler un peu. Alors, ici, c'est une couleur différente, c'est pas de problème, ça va tout être couvert. D'abord, pourvu que ma couleur de base soit la couleur de base de mon album. Alors, j'irai pas avec du papier noir parce que j'ai la cartonnette noire. Ça va être couvert de toute façon, on ne verra pas. Alors, je vais avec mon papier de couleur de base. Alors ici, je vais commencer par biseauter les coins. J'ai exactement la largeur ici, OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller l'intérieur. Alors, ça se trouve être les bandes qui vont être à l'extérieur. Si je mets la colle à l'intérieur des bandes, comme ceci, ils sont bien au coin. Même chose de l'autre côté. Je vais vérifier la longueur. C'est plus long, on doit ajuster. Ici, je suis un petit peu plus long, alors je vais aller en enlever un peu. Je se rends tout juste au coin. Ceci, comme ceci. On biseaute juste un peu pour dire. Je mets la colle à l'intérieur ici. Alors là, je travaille avec du papier cartonné de 76 grammes. Je trouve que c'est plus facile pour tout plier. Sinon, c'est difficile. C'est raide. Alors, quand j'ai une couleur qui va bien, puis que j'ai la couleur dans le...
76, 176 grammes, j'en profite. Alors ici, je vais faire comme ceci, exactement la même largeur. Encore là, je vais biseauter jusqu'au coin. Je mets la colle comme ceci. Ici, sur l'autre côté, je vérifie la largeur. Si c'est plus large, je vais en enlever un petit peu, c'est parfait. J'avais un peu mesuré, il faut dire, les bords, ça arrive juste. Mais si vous n'êtes pas certaine, vous êtes mieux d'arriver un peu plus large, quitte à en couper un tout petit peu, plutôt que d'avoir des bandes qui sont trop petites, il faut pas recommencer. Tout juste sur le coin, comme ceci. Voilà. Alors, ça, on va tout presser ça. Ensuite, alors là, je vais placer mes morceaux. Alors, je vais mettre la colle ici. Partout, mais pas trop. Alors là, je ne vais pas la mettre à l'extérieur, je vais la mettre sur la cartonnette du fond, puis je vais plier mon rabat ici. Alors, je ne vais pas mettre à l'extérieur sur la table, pour que ce soit sur la cartonnette. Sinon, vous agrandissez votre boîte. Donc, on ne doit pas l'agrandir, on est vraiment limité dans l'espace. Je vais en profiter pour mettre une bande ici. Je coupe les coins encore. Est-ce que j'ai la bonne largeur? J'ai un tout petit peu plus large, j'en enlève un peu. Coupe le point. Puis je vais mettre la colle des deux côtés. Alors moi, les boîtes, je ne les fais jamais avec juste en papier cartonné. Alors je vois souvent les gens qui font des boîtes. Je trouve que c'est trop mou. J'aime bien avoir une boîte qui se tient bien. Alors ici, je vais le mettre tout simplement au fond comme ceci. Puis je vais continuer à faire le tour comme ça. J'ai moins de difficultés. Quand j'avais fait la grande boîte de ce projet au début, j'ai eu des problèmes parce que mon papier cartonné était plus étroit que ma boîte. Alors, il a fallu que je fasse des rapiessages. Alors ici, j'arrive tout juste sur le côté, comme vous voyez, mais ici, vous avez remarqué que je dépasse. C'est normal parce qu'on est à l'intérieur de la boîte. Alors, je vais devoir aller enlever la petite portion ici en trop. J'ai environ 1,5 mm. Puis il faut que je pense aussi que le morceau ici, peut-être que je devrais le placer avant lui. Mais pourvu que vous arriviez au bout, qu'il n'y a rien qui dépasse. Alors si vous décidez de placer lui avant, alors lui va être trop large. Si vous placez lui tout de suite, vous allez placer lui, le long ici va être trop large. Alors faites comme vous voulez. Vous pouvez faire tout le tour comme ça, ce n'est pas un problème. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer tout de suite mon grand ici. Pour voir combien je dois enlever sur les petits, les côtés. Moi, je préfère le faire les deux du même format, ensuite terminer les deux petits. Alors, sur le cartonnet, tout juste sur le côté, puis je plie comme ceci. Voilà. Alors, lui, il va devenir trop grand parce qu'il doit être à l'intérieur. Et, ça, je vais en enlever encore. Juste 1 mm à la fois, pas plus. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec trop enlevé. Alors là, je vais mettre celui-ci. Est-ce qu'il est la bonne largeur? Oui. Je vais biseauter mes coins tout petit peu. Pas trop. Et je vais mettre la colle des deux côtés. Ici et ici. À l'extérieur. Alors, quand on colle les bandes à l'extérieur, on met la colle à l'intérieur du L. Quand on travaille les bandes à l'intérieur, on met la colle à l'extérieur du L. Comme ceci. Bien droit, ne dépasse pas un côté, puis arrive juste le côté. Ici. C'est important d'arriver au coin, sinon vous allez avoir la cartonnette, vous allez voir derrière. Ensuite, je vais pouvoir terminer celui-ci, il va se trouver à l'intérieur. Alors là, pour vérifier, si vous avez, une fois que vous l'avez placé, qui est juste sur la cartonnette, si vous voyez que ça dépasse ici, il faut en enlever. Alors moi, j'en ai encore un petit peu trop. Je vais devoir enlever environ 1 mm. Alors vous ajustez selon ce que vous avez. Parce qu'on a beau couper avec les bonnes mesures, on a de l'ajustement à cause qu'il peut y avoir des petites marges de manœuvre. Alors ici, encore un peu. Juste ici. On va arriver à rien ici.
Parfait. Alors là, je vais pouvoir poser mon petit morceau. Est-ce qu'il est la bonne largeur? Un tout petit peu trop large, j'en ai enlevé un peu. Je biseaute. Comme ceci. Et je mets la colle des deux côtés. Ici et ici. Parce qu'on travaille à l'intérieur. Comme ceci. Je vais plier. C'est encore un peu trop large. Je vais en enlever un tout petit peu ici. Comme ça. Ceci. Comme ceci. Je vais faire le dernier. Il va manquer du papier. Il manque juste un morceau. Je vais coller lui pour commencer. Je mets sur la cartonnette. Il devrait se contenir à l'intérieur. Il est trop large, c'est certain, parce qu'on est à l'intérieur. Alors, je vais en enlever un petit peu. Pas plus qu'un millimètre à la fois, pour ne pas faire d'erreur. Alors, ici, comme ça, est-ce que je peux le fermer ici? Oui, parfait. Alors, je le mets sur la cartonnette noire, puis je vais rabattre ici. Elle va tout juste sur le côté. Comme ceci. Ici, il doit avoir un petit morceau qui dépasse de lui. C'est pour ça que ça ne va pas plier. Voilà. Et je vais faire la même chose à l'intérieur. Il est trop large, j'en enlève un peu. Comme ça. Je biseaute. Comme ceci et comme ceci. Je mets la colle à l'extérieur. Ceci tout juste sur le côté. Voilà. Alors là, il nous reste juste les côtés ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un, puis vous allez faire les autres après. Alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, le fond ici, il est bien masqué. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de masquer jusqu'à la pointe ici, pour ne pas voir de noir. OK? Comme ceci. Alors, on va biseauter la base un tout petit peu. Comme ceci, puis on va le coller. Alors, je vais mettre de la colle ici et ici. Alors, je vais faire le biseau tout juste à la pointe en bas. Alors, la pointe arrive ici. Puis, je m'assure que ce soit bien droit. Et je vais le tenir comme ceci pour le coller. Il faut que ça se rejoigne les coins de cartonnette. OK? Ici. Alors ici, je n'ai pas vérifié si j'avais un peu plus. J'ai un peu plus. Alors, je vais devoir aller en enlever un tout petit peu. Parce que je n'ai pas vérifié ce côté-là. Alors, je ne vais pas couper mon papier cartonné. Je vais passer ici. Un petit peu comme ceci. Voilà. C'est supposé de coller. Sinon, vous rajoutez de la colle. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se garder environ 1 cm. OK? Ensuite, je vais couper. Alors là, c'est difficile, non? Difficile à montrer, je veux dire. Je vais couper tout juste sur mon pli. Ensuite, je coupe 1 mm sur ce morceau-là. Et je coupe 1 mm sur ce morceau-là. Jusqu'à la cartonnette, vous coupez. OK? Alors là, vous regardez. S'il y en a un qui n'est pas droit, vous l'enlevez complètement. Sinon, l'autre est correct. Alors, vous l'enlevez complètement. Vous voyez, j'enlève une des petites bandes que j'ai coupées. C'est tout. Alors là, il faut que je me rende complètement jusqu'en bas. Là. Je vois que je ne me suis pas rendue jusqu'au bord de la cartonnette. Comme ceci. Alors là, tout ce qui me reste, c'est une bande ici qui va être pliée comme ceci. Une autre bande qui va plier comme ceci. Et cette petite bande ici pour cacher le coin de la cartonnette. Alors, je vais me garder environ 2 ou 3 mm, pas plus. OK? Alors, vous voyez, ici à l'intérieur. Alors, je mets de la colle sur le petit carré tout petit, puis je vais aller le coller sur le rebord de la cartonnette. Ici, bien droit, sur le rebord de la cartonnette. Alors, vous voyez, il fait le coin. Le but, c'est de couvrir le coin ici.
Ensuite, je mets de la colle sur mes morceaux ici et ici. Puis je les rabats à l'intérieur comme ceci. Ça, je l'avais fait pour la grosse boîte, mais j'avais eu des problèmes, puis il a fallu que je refasse finalement. Alors là, puis j'étais en dehors du champ de vision de la caméra, là, c'était un petit peu difficile. Ensuite, vous faites la petite touche professionnelle comme ceci, et voilà, vous avez un beau coin tout couvert. Et ensuite, il va vous rester à faire une petite bande ici à l'intérieur, plus courte que... tout juste un petit peu plus courte que la hauteur de votre intérieur. Faites un biseau ici. Vérifiez. Parfait. On fait un autre biseau ici. Vous avez un morceau comme ceci. Puis, vous allez aller le coller à l'intérieur. Il ne faut juste pas qu'il dépasse. Là, moi, le mien est un petit peu trop long. Alors, je vais en enlever un petit peu. Puis, vous allez le coller au fond complètement, comme ceci. Faites la même chose tout le tour. Alors, moi, je vous reviens. Si la boîte va être terminée tout le tour. Et puis, je vais aussi faire des... quand vous avez fini les quatre coins, ensuite, vous allez avoir une bande de papier qui va partir d'un coin à l'autre coin, tout juste à l'intérieur, OK? Et vous allez rabattre pour finir le côté, toute la bordure ici. Alors, un morceau là, un morceau là, un morceau là, qui fait l'extérieur à l'intérieur. Alors, je vous reviens avec ça fait. Je vais tout mater ma boîte. Il faut tout l'avoir maté avant de pouvoir mesurer le couvercle. Alors, une fois que ça va être tout fait, je vais mater tous les espaces, tous les morceaux séparément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, puis on va faire le couvercle. Alors, tout de suite, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Bye-bye.